T'es bien. La nuit était calme. On l'a pesée ce matin, elle avait pris 20 grammes. Ah, oh, c'est bien. Alors. Coucou. Regarde qui est là. C'est maman. Mais c'est pas que je suis là. Ah si, vous inquiétez pas, elles sont votre présence. Vous voulez qu'on essaye de la mettre contre vous aujourd'hui? Vous voulez la toucher? Vous pouvez passer votre main là dans l'incubateur si vous voulez. Je préfère pas. Je laisse un petit peu toutes les deux. Ça s'arrache. C'est quoi ça? Vas-y, comment? Vas-y, viens, s'arrache. Merci. Salut. Salut. Ça va toujours? Ça va? Ouais, ça va. De passage, hein. Et ça va, tout ça. Bonjour, commandant. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Je suis passée à dire bonjour. Ils sont où? Sur une scène de crime dans le 19e. Où ça exactement? Au 36 rue de crime.
c'est bon. Merci. Merci. Ok, début des constats. Donc on est au 36 Terre, rue de Crimée, en haut d'un escalier. Voilà, une espèce d'amoncellement de différents objets ménagers, un fauteuil club en simili-cuir, un canapé, trois places en cuir, là, marron. Un radiateur, une télé, des bouts de mousse, enfin voilà, tout un tas de. Au milieu de tout ça, on a un sac de sport avec un buste d'homme, de type européen. Entièrement nu. Là, il est enveloppé dans une serviette bleue. Oh, putain. Un bulbet de sang. Alors, voilà, il est sectionné de tous les côtés. Voilà, c'est un tronc. C'est un putain de tronc humain. La poche là sur le côté du sac de sport, on a une poche extérieure. Un gel douche, s'il vous plaît. Des lunettes de piscine de marque Flash Optique. Voilà, c'est tout. Hein. Rien d'autre. Constat terminé. À mon avis, la tête et les membres doivent être dans tout ce bordel. Tom, Nico. Mettez les gants, puis commencez à chercher là-dedans. Moi, je vais m'occuper de l'IRL. Gilou, l'atelier. On a une équipe qui ratisse le quartier. Pour l'instant, ça n'a rien donné, mais... Si vous trouvez rien, vous allez l'identifier comment, votre tronc? Si c'est un voyou qui a déjà fait parler de lui, son ADN est répertorié. Sinon? Bah, sinon, c'est la merde. Il a été mutilé avec quoi? Bon, on sait pas, mais c'est lui ça le boulot. Ça sent le mec qui s'est acharné par haine ou pour retarder l'identification, ou les deux à la fois. Vous voulez jeter un petit coup d'œil? Non, merci, je tiens pas. Y a des témoins? Aucun. C'est des mômes qui ont trouvé le corps. Mais l'enquête de voisinage nous en dira peut-être un peu plus. Bon, je dis quoi, mon prof, quand il arrive? Qu'on a l'affaire, qu'on est dessus, regardez là, on est. C'est au chef de groupe que je m'adresse, pas à vous. Alors, je dis quoi? Ce qu'a dit Escoffier, c'est bien qu'on est déjà au boulot. Un crime contre X sans aucun indice, c'est pour la crime, c'est pas pour le DPJ. Les affaires compliquées, c'est leur domaine, ils font ça très bien. Attendez, faut nous faire confiance, nous ça nous fait pas peur des affaires compliquées. Hein. Non, c'est même dans les trucs hors normes, nous, qu'on prend notre pied, oui. Je suis pas là pour vous faire plaisir, Escoffier. Une enquête comme ça, ça va nous bouffer des semaines de travail, alors qu'on a déjà des résultats à atteindre sur d'autres affaires. Bah, attendez un petit peu qu'on avance, si ça se trouve, on va l'identifier rapidement, ce tronc. Bon, je veux bien faire un effort, mais si à la fin de la semaine vous avez toujours rien, je suggère au proc de saisir la crime. Entendu? 5 sur 5. Gilou, il y a là. Hé. Hey. Qu'est-ce que tu fais là? Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Le bébé, comment ça va? Il est toujours en réa. Personne ne se prononce. Faut attendre. J'en peux plus, je fais que ça. Tu te sens? Je vais aller. Et la petite? Elle s'accroche. Et Brémond, comment il a pris la nouvelle? Quand j'ai dit que c'était lui le père, il m'a pourri. Il venait juste de se remettre avec sa maman. Oh merde. Commandant Berthaud, commissaire Beckrich. Commissaire? Vous n'êtes pas censé être en congé de maternité, vous? Si, mais je... Dans ce cas-là, je vais vous demander de quitter la scène de crime, s'il vous plaît. C'est pas un congé obligatoire, je peux vous reprendre. Vous avez votre certificat de reprise? Non, mais je peux l'obtenir. Bah, je suis désolé, mais sans certificat de reprise, vous n'avez rien à faire sur la scène de crime. Reculez, s'il vous plaît. Qui c'est qui s'occupe du voisinage? Nous. Vous devriez déjà y être. Chaque minute qui passe, c'est du temps qu'on rattrape pas. Ah, voilà le procureur. Au travail, messieurs. Monsieur le procureur, bonjour. Non, ça s'est passé par ici. Vous avez entendu ce qu'on vous a dit? Vous ne pouvez pas rester sur la scène de crime. Allez hop. Couler une chape de béton de 50 mètres carrés sur un toit, c'est totalement irresponsable!
Le client de ma consoeur ne pouvait l'ignorer. Merci, maître. Maître Carlson, nous vous écoutons. Maître Carlson. Votre audience est déjà bien chargée, monsieur le président. Je ne voudrais pas l'allonger inutilement. Tout est dans le dossier qui vous a été remis. Vous le lirez quand vous aurez le temps. Je vous remercie. Ah, ça va? Ton audience s'est bien passée? Oh, bah t'as raté quelque chose, j'ai fait une plaidoirie du tonnerre. Ah, c'est bien. T'as eu mon message? Qui disait? Que le cabinet n'est pas un hall de gare, il y a certaines personnes que j'ai pas envie de voir ici, alors tu leur donnes rendez-vous ailleurs. Quoi, j'ai rendez-vous? J'ai appris pour l'AVC du père Verne. Pauvre homme. Tu crois que c'est contre-coup de m'avoir foutu dehors? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu réponds pas à mes messages, je suis obligé de ramper jusqu'à toi pour te parler. Sérieusement, j'ai quelque chose à te proposer. Quel genre? Le banc de la défense dans un procès pour homicide qui s'ouvre la semaine prochaine. L'affaire Weber, ça te dit quelque chose? Non. Le Toubib qui a refait les nichons de la moitié des stars du showbiz. Tué accidentellement par un pote de son fils qui s'était introduit chez lui pour lui piquer sa collection de montres. Et qu'est-ce que t'attends de moi? On t'a donné un bureau ou je te raconte dans le couloir? Je t'en prie. Le juge ne croit pas à la mort accidentelle. Il pense que le fils et son pote ont prémédité le meurtre de Weber. Le fils, c'est Thomas. Mais maintenant qu'il est renvoyé aux assises, la mère flippe. Elle veut un pitbull. Je pensais à toi. Pourquoi tu le défends pas, toi? Mais je peux pas, j'assiste son complice, me dit la Manac. Petite frappe qui dit du shit à la sortie du lycée. Les deux copains ont la même version. C'est un cambriolage qui a mal tourné. Ça mérite pas les assises. Faut que tu m'aides à les sortir de là. Pourquoi je dirais oui? Parce que tu regrettes d'avoir voté mon renvoi. Tu cherches à te faire pardonner. Mais rassure-toi, les intérêts de mon client passent avant le coup de pute que tu m'as fait. Tu vas dire oui, parce que si tu te fais chier, pire, tu t'éteins. Le droit des affaires, c'est pas pour toi. Tu contrôles rien, t'es qu'un outil au service de l'argent. Moi, je te propose l'arène des assises, le combat d'homme à homme, l'adrénaline, tout ce qui excite la pénaliste qui dort en toi. Pas chez moi, ici. Je peux rien décider toute seule. Le fils d'un ne peut pas te le refuser, c'est une trop grosse affaire. Je vais lui en parler. Pour moi, il est pour toi, ce dossier. Passe pas à côté, tu vas t'en manger les doigts. De reprise. Vous êtes sûr de vouloir reprendre le même poste? Avec un bébé, vous pourriez demander à être aux affaires générales ou à l'état-major, pas sur le terrain. Je vous remercie de penser à mon confort, et rester dans un bureau, c'est pas mon truc.
Moi, je disais ça avec votre bébé. Mais mon bébé, je l'ai pas encore avec moi. Je l'aurais peut-être jamais. Quitter mon groupe, ça va pas le faire aller mieux. Très bien. Dans ce cas, commandant, je vous considérerai comme n'importe quel chef de groupe. N'espérez aucun traitement de faveur de ma part. J'en attends pas. Je veux être au courant de toutes vos actions. Je veux savoir sur quoi vous travaillez et où vous vous trouvez. Je relis tous les PV. Si c'est mal rédigé, vous recommencez. Je veux des procédures carrées, inattaquables. La police se doit d'être transparente et exemplaire, et ça commence par un PV bien rédigé, c'est clair ? Très clair, monsieur. À propos du corps démembré découvert ce matin, je l'ai déjà dit, je ne suis pas favorable à ce que le DPJ garde l'affaire. Bien, mais vous savez... Dernière chose, pendant votre absence, le capitaine Fromentin vous a remplacé et a dirigé votre groupe avec rigueur. J'ai pas à juger les raisons de votre retour, mais sachez que j'en attends autant de vous. J'ai 15 ans de PJ, monsieur. Je pense avoir fait mes preuves. L'important, c'est que je le pense aussi. Ce sera tout, commandant, merci. 10 des arrondissements limitrophes, là, 18, 19, 20. Vous voyez ce que ça donne déjà. On l'a fait avec Nico, il y en a 35 ou 36. Eh bien, vous, très bien, vous les appelez tous les deux, ça va pas vous prendre 3 heures. Toutes les photos, là. Les magasins de sport, tout ça, on fait aussi. Hein. Ouais, au moins pour savoir s'ils font des verres corrects. Sans le fenêtre ici. Alors, vous en êtes où? Ligie vient nous envoyer les premiers résultats, là. Les lunettes de piscine qu'on a retrouvées dans le sac de sport, c'est des lunettes correctrices. Donc on cherche l'opticien qui a monté les verres. Ça devrait nous permettre d'avoir le nom de la victime. Et l'ADN? On attend les résultats. Puis l'autopsie nous en dira sûrement un peu plus. Tiens, d'ailleurs, il faudrait qu'on y aille. Là, le légiste nous attend. Gilou, on bouge? Non, non, attends. Je viens de reprendre mon poste, c'est à moi d'y aller. Tu te sens pas obligé? Je me sens pas obligé. J'ai juste besoin de raccrocher les wagons. L'autopsie, c'est l'occasion. Tu viens juste de rentrer, te mets pas la pression. Garde du temps pour ton bébé, repose-toi sur nous, tranquille, quoi. Mais j'ai pas besoin de me reposer, ni sur vous, ni sur personne. Je flippe quand je me repose. Et je vois que ça fait chier tout le monde que je sois revenue, mais je pique la place de personne, ok? Je reprends juste la mienne. Non, mais c'est pas la question, Laure. Tu devais t'arrêter 6 mois et tu reviens au bout de 4 semaines comme si de rien n'était. Oui. Mais t'as un bébé maintenant. T'es maman. Ah. Tu vois ce que ça veut dire? Non. Non, bah vas-y, explique-moi. Mais tu veux pas qu'elle aille à l'autopsie? C'est quoi le problème? Viens. Attends-moi dans la voiture, on va y aller ensemble à l'autopsie, d'accord? Hein? Tu veux pas avec lui? Non, 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 t'inquiète pas. Ok. Donc Laure arrive et toi tu te mets à plat ventre. Mais tu vois pas qu'elle a... elle est pas en état de reprendre, là? Non, mais ça nous regarde pas. Putain, puis t'arrêtes de dire que je me mets à plat ventre devant elle, d'accord? Tu crois que ça fait pas drôle aussi pour moi qu'elle soit revenue? Mais alors? Alors l'important, c'est qu'on garde cette putain d'affaire, d'accord? Donc pourquoi t'irais pas au parquet demander l'ouverture d'une information judiciaire? Rebond et permanence. Si c'est lui qui est désigné, l'affaire, elle est pour nous. Et bien Chris, il pourra pas nous la retirer. Il va nous chier dans les bottes, le taulier. Faudra assumer derrière. De toute façon, c'est ça, ou dire non à une affaire qui nous fout la gueule, d'accord? Pourquoi il veut pas de l'enquête sur le tronc, le taulier? Il a peur de pas être à la hauteur. Ça laisse des traces sur son CV. Des traces? Alors, Bécry fait juste de passage chez nous, hein. Dès que le remplaçant d'Hervé prend ses fonctions, il retourne à la financière, direct, tu vois. Il peut pas laisser une affaire non résolue derrière lui. Tu crois qu'on est trop con pour résoudre l'enquête, c'est ça? Mais il connaît pas le boulot de PJ, il a jamais été sur le terrain, il a jamais cavalé derrière un voyou. Là, il se retrouve nez à nez avec un mec découpé en morceaux, tu vois, lui fait tout drôle. Cindy. Vous êtes encore ensemble? Vas-y, décroche, hein, ça me dérange non, pas. Non, c'est bon, c'est bon. Le fer se décompose plus vite quand un corps est enfermé, et avec toutes ses plaies, les mouches en sont données à cœur joie. À vue d'œil, je dirais qu'il est mort depuis une bonne semaine. Et le démembrement, c'est post-mortem? Absolument. Et réalisé par un dépeceur sans grande expérience. Gardez les entailles sur la peau. Il s'est repris plusieurs fois, il a dérapé. Si c'était un connaisseur, il aurait tranché sur les cartilages, pas sur les os. En plus, il devait avoir du mauvais matériel, une petite scie ou un gros couteau à dents. Bref, c'est pas un pro. Mais c'était pas un pro, mais il faut avoir la rage pour mutiler un type avec autant d'acharnement. C'est juste.
C'est du sale boulot, mais il a été fait jusqu'au bout. Et ça peut être quoi, un crime passionnel? Tout est possible. Une femme peut très bien commettre ce genre d'atrocité. Une femme ou un amant est conduit. La plupart du temps, c'est pour des raisons utilitaires qu'on démembre les victimes. Pour transporter le corps ou le dissimuler plus facilement. Et pour qu'on puisse pas l'identifier. Ça peut être un pervers sexuel? Peut-être. Mais si c'était le cas, j'aurais tendance à dire que le tueur aurait visé en priorité les parties génitales. Or, on lui a fichu la paix de ce côté-là. Aucune trace de violence quelconque. En tout cas, même avec ce qui reste, on peut voir que votre homme était sportif. Sportif et jeune. 25-30 ans, pas plus. Vous avez une idée de ce qui a pu provoquer la mort? Sans la tête, ça va être dur. S'il a pris une balle ou un coup sur le crâne, sur le corps, on n'a rien trouvé. Faut attendre l'examen des poumons pour savoir. Si c'est une mort par noyade ou par suffocation, ça se verra. C'est bizarre de ne pas savoir à quoi il ressemblait. Un cadavre, on garde en mémoire, on a un visage, on a quelque chose pour bosser, vous voyez. Parce que là, on n'a rien, on a un bout de barbac. J'espère que l'ADN va parler, parce que sinon, Bécriche, il va nous retirer l'affaire. On a pris les devants. Tintin est allé demander l'ouverture d'une information judiciaire. C'est le seul moyen de garder l'enquête. Ah bon? Et qui est le juge de permanence? Roban. Tintin est allé voir Roban sans m'avertir? Bah, c'était pour gagner du temps. Mais c'était à moi d'y aller! J'ai pas revu Roban depuis qu'il s'est cassé les dents sur la perquise dans le garage de Djibril. Il va croire que je me défausse sur Tintin, c'est nul! Tiens, prends les clés, j'ai un truc à faire, on se rejoint au service, d'accord? Voilà. On aimerait bien pouvoir commencer l'enquête de voisinage assez rapidement. Parce que nous, elle nous plaît, cette affaire, monsieur le juge. Un tronc, ça nous change de l'ordinaire. Puis si c'est vous qui l'instruisez, on sera comblés. Dites-moi, c'est pas vous que je vois d'habitude, donc vous remplacez Berthaud? Oui. Enfin, tant qu'elle était avec son bébé, mais là, elle vient juste de reprendre son poste. Ah oui, un corps mutilé, vous la connaissez, elle a pas pu résister. Écoutez, capitaine, je regrette, mais je suis surchargé de dossiers, donc je vais pas pouvoir m'occuper de votre tronc. Vous n'êtes pas de permanence, là? Si, si. Mais Dieu merci, je suis pas le seul magistrat inscrit au tableau. Donc voyez, avec mes collègues du parquet, c'est préférable. D'accord. Bon, je pensais que vous apprécieriez de travailler avec nous. Vous savez, j'accorde peu d'importance au service de police avec lequel je travaille. Ce qui compte, c'est d'avoir face à moi des officiers intègres et qui me prennent pas pour un con. Excusez-moi, monsieur le juge, mais vous faites allusion à un problème en particulier? Disons que je m'emploie à en éviter de nouveau. Vous voulez un coup de main? Non, non, non. Tout va bien. Laissez, je m'en occupe. Et je sais même plus ce que je voulais prendre dans ce tiroir. On n'avait pas terminé? Si, si. Au revoir, monsieur le juge. C'est stupide. Je comprends pas ce qui m'a pris. J'ai forcé comme une brute. Ah, monsieur, je me glisse. Merci. Gilou? C'est au troisième, tu montes? J'arrive. Viens. Tu vas voir, c'est trop génial. Bonjour, monsieur. Bonjour. Regarde. Là, t'as la cuisine. Ouais. Tout équipé. T'as même un lave-linge. Ah ben, là, t'as... Je sais pas, un petit bureau. Ouais, c'est combien? 1300 avec les charges. C'est pas un peu cher? Ben non, c'est le prix. Enfin, sinon, t'as que des trois rats dans le quartier. La douche? Non, mais oublie pas qu'il n'y a pas qu'à le loyer. Il y a les frais d'agence, il y a la caution, il y a la... Oui, ben, ouais. Ton salaire, ça va le faire. Regarde. Notre chambre, sur cours, hyper calme. Je suis flic, chaton, hein, pas dealer. Ben, je trouverai un job en plus de ma formation, on se débrouillera. J'ai trop envie qu'on le prenne, s'il te plaît. On va trop vivre ici, on va être trop bien. Ouais, alors, en fait, ça fait le tour. Exactement. Ouais. C'est quoi le chauffage? Il est individuel au gaz. C'est bien. Par contre, je suis désolé, mais j'ai une autre visite qui va démarrer.
Ouais. Alors, je vous laisse la liste des pièces pour constituer votre dossier. Ouais, attends, je vais regarder. Je suis lieutenant de police. C'est le propriétaire qui décide. D'accord. Ça, c'est le rêve pour un propriétaire. Il n'y a pas de grabuge, j'en paye toujours le loyer. Bah, vous le noterez bien sur le dossier. Ok. Je peux revoir la cuisine ? Allez-y, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Je peux te déranger une seconde ? Ah bah oui, je t'en prie, dérange-moi. Là, c'est tellement rare. Voilà, on propose une affaire au pénal. Défendre Thomas Weber, le fils du chirurgien esthétique qu'on a retrouvé mort à son domicile. Mmh. J'ai envie de dire oui. Quand tu dis « on », c'est qui ? C'est Edelman ? Peu importe. L'affaire me plaît, j'ai envie de la prendre. Peu importe. On n'a même pas fini de régler son retrait d'associé et le cabinet ne fait pas de pénal, mais ça tu le sais. Ton père m'a fait rentrer au cabinet pour faire du pénal. Pas du droit des affaires ni du contentieux civil. C'était la condition, sinon j'aurais refusé. Mon père est dans un fauteuil roulant, il est incapable de souvenir mon prénom ni même d'aligner trois mots cohérents. J'ai repris en catastrophe les rênes du cabinet avec pour objectif de consolider l'activité, pas de la diversifier. Une affaire, j'appelle pas vraiment ça diversifier l'activité. Joséphine, nos clients sont des chefs d'entreprise, des banques, des multinationales, pas des dealers ou des braqueurs de fourgons. Bah, ça tombe bien, parce que Thomas Weber n'est ni un dealer ni un braqueur. Son père fréquentait tout showbiz, l'affaire va être très médiatisée, le cabinet a tout à y gagner. Ou tout à y perdre. Si par miracle tu obtenais un bon résultat, on serait assailli de dossiers merdiques avec des meurtres crapuleux, des instructions qui traînent pendant des années, au final quoi, des clients insolvables qui feront couler la trésorerie du cabinet. Bon bah je vois que j'arriverai pas à te convaincre. Dans ce cas, tant pis, je démissionne. Pour un dossier ? Pour un dossier qui me donne envie, qui me rappelle pourquoi je fais ce métier. Non, mais t'es pas bien ici ? Qu'est-ce qui te manque en fait ? T'as tout. Qu'est-ce que t'en sais ? Enfin, tu vas pas partir comme ça sur un coup de tête ? Ouais, lieutenant, est-ce que l'officier de police judiciaire, j'ai une petite question à vous poser. Un an. Ok. Eh ben, attends, je suis bien chez vous. Merci beaucoup. D'accord, bon, je passe. Ok. Très bien, merci. Au revoir. T'entends ? Oui, bonjour, lieutenant, est-ce que l'officier de police judiciaire ? Je cherche un opticien qui a remonté des verres de correction sur des lunettes de piscine de marque Flash Optique. Vous faites pas cette marque ? D'accord. Ok, merci. Merci, au revoir. Bon, sur le 19e, j'ai rien. Ça raconte quoi, toi ? 8. Ça va ? Ça va ? C'est Christine. Elle demande le divorce. Si t'y raquettes sans vente, tu t'attendais à quoi ? Je sais pas, moi. Que je lui manque, qu'elle se fasse chier, je sais rien. Tu sais, elle s'emmerdait avant de se tirer, déjà. Merci. Tu sais trouver les mots, toi. L'ADN du tronc vient de tomber, les gars. Mauvaise nouvelle. ADN inconnu. Ah merde, ça nous aurait aidé qu'ils sont répertoriés. T'as vu Robin ? Qu'est-ce qu'il pense de l'affaire ? Oui, il veut pas la prendre. Il a dit pourquoi ? Non, je sais pas, c'était pas clair, il avait l'air bizarre. Et puis, a priori, il y a quelque chose qu'il a pas digéré. J'étais sûr qu'il le prendrait mal de le voir débarquer comme ça. Attends, ça va, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça aurait été mieux si c'était toi, c'est ça ? Oui, allô, lieutenant Escoffier. Attends. Gauche, moins 1,15, ouais. Et droit, moins 1,50, exact, ouais. D'accord. C'est quoi la marque des lunettes de piscine ? Flash Optique. Ok, la prescription est à quel nom ? C'est écrit comment ? Ok, Ouais. D'accord. Parfait. Vous avez une adresse aussi ? D'accord. Merci beaucoup de m'avoir appelé. Merci. C'est un opticien de la rue de Charonne, je l'ai appelé ce matin, il vient de vérifier dans son fichier client. Donc il a bien monté des verres de correction identiques et la prescription est au nom de Cédric Devin qui est né en 88. S'il est né en 88, ça fait qu'il a 28 ans, ça peut correspondre à l'âge du tronc. Il y a une adresse aussi, c'est dans le 20e rue des Maraîchers.
Viens avec nous. C'est là, c'est là. Ah bah très bien, on va avoir besoin de deux témoins pour pénétrer dans son appartement. Vous pouvez vous tenir à dispo? Non, mais il en a où le serrurier? 2 minutes. Ok, bon, on va venir vous chercher. Merci. Hein. Fais gaffe, on met les pieds, les gars. Si c'est la part de la victime, faut s'attendre à trouver des restes humains. Dans la chambre. C'est ok ici. Ok, ok pour moi. Balcon clair. Je fais la cuisine. Ça donne quoi? Il n'a pas été tué ici, hein. Ah mais il s'emmerdait pas, lui. L'entrée de gonzesse. Ouais. Qu'on identifie ces nanas, là. Putain, regarde ça, des feuilles de paye. C'est où il bossait? Abattoir à l'Al, Marne-la-Vallée. Abattoir, mutilation, y a pas mieux pour démembrer un corps, non? C'est bon, ça. On y va. Tom? Ouais? Je te laisse finir de checker l'appart? Ok. Et puis tu nous appelles s'il y a du nouveau. Ça roule. Madame Boudin est arrivée. Ah, très bien. Faites-le entrer, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Monsieur. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, madame. Installez-vous. Donc, je suis chargé d'enquêter sur la mort de votre fils Nicolas, né le 9 août 1993 à Rouen. Quand un individu est retrouvé sans vie dans son appartement, il est d'usage que le parquet demande une recherche des causes de la mort. Seulement, le légiste n'a pas été en mesure d'expliquer le décès. C'est la raison pour laquelle le parquet a jugé bon d'ouvrir une information judiciaire pour homicide. C'est à cause des traces de serrage sur ses poignets? Non, c'est plutôt pour faire des analyses complémentaires, pour établir si la mort est d'origine naturelle ou criminelle. Les traces sur les poignets, c'est pas très naturel. En effet, mais jusqu'à preuve du contraire, le serrage des poignets n'entraîne pas la mort, madame.
Et le coup de fil anonyme, vous ne trouvez pas ça bizarre? Le coup de fil anonyme. Madame veut parler du coup de fil passé aux pompiers le soir de la mort de son fils, code 2308. Oui, 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 bien sûr. Oui, quelqu'un a appelé le 18 pour signaler qu'un jeune homme se trouvait mal et qu'il ne respirait plus. Et pourquoi il n'a pas laissé son nom? Quand on n'a rien à se reprocher, on laisse son nom, vous ne trouvez pas? C'est pour ça qu'une enquête est en cours, madame. Votre fils partageait un appartement rue Vieille du Temple avec Steven Lefranc, étudiant comme lui à Sciences Po. Qui payait le loyer? 2000 euros par mois, c'est une somme quand on est étudiant, même à deux. Nicolas s'est toujours débrouillé. Depuis le lycée, il faisait des petits boulots. Moi, je l'aidais un peu, je faisais ses courses, un peu son repassage. J'ai fait les rideaux. C'est mon fils unique, c'est dur. Madame. Quel genre de petit boulot il faisait dernièrement? Je sais pas, tout. Il était très curieux, toujours prêt à essayer une nouveauté. Ah. Vous êtes très éprouvée, c'est parfaitement naturel. On va s'arrêter là. Non, ça va aller. Posez-moi vos questions, je vais y arriver. Non, je vous enverrai quand j'aurai reçu les résultats de l'ANAPAT. L'ANAPAT? L'examen des organes. On les retire un par un et on recherche les substances qui auraient pu jouer un rôle dans les causes de la mort. Les organes de Nicolas, on va lui les retirer un par un? Je vous raccompagne. Nicolas, Didier, vous voulez bien vous occuper de madame, s'il vous plaît? Vous faites penser au médecin de mon pauvre mari. 10 minutes de consultation pour lui annoncer qu'il avait plus que 6 mois à vivre et 120 euros. Rassurez-vous, ici, vous n'avez rien à régler, madame. Il ne manquerait plus que ça. Je sais que ça ne me regarde pas, mais vous voulez pas voir un médecin? Ruben qui me rappelle. Ok. Ça répond pas? Merci. Oui, j'écoute. Oui, bonjour, police. On voudrait voir un responsable de l'établissement, s'il vous plaît. Ça dépend, c'est pourquoi? Non, ça dépend de rien du tout. Je vous dis police, on voudrait voir un responsable de l'établissement. Alors vous ouvrez cette grille, s'il vous plaît. C'est dingue ou quoi? Oh! Ah, monsieur! Vous pouvez dire qui nous ouvre, s'il vous plaît, police? Putain, c'est pas possible. Pourquoi il s'enfuit? Il a un truc à se reprocher? Nathan, occupe-toi d'elle et trouve le patron! C'est pas de m'embrouiller, hein. Pourquoi tu courais, toi?
tout doux à te parler, toi. Calme. Ne me faites pas de mal. J'ai une femme et des enfants, s'il vous plaît. Je ne veux pas te faire de mal, on veut juste t'interroger. Comment tu t'appelles? Aziz Moutalib. Pourquoi tu tires comme ça? Il est où ton patron? C'est moi le patron. Je peux tout vous raconter, tout comment ça s'est passé. Oh, mais quoi là? C'est bon, lâche-nous. Va voir tes biquettes, toi. Ils m'ont pas laissé le choix. Je vous jure que c'est la vérité. Ok, tu vas mieux me raconter ça au service. Non, attendez, leurs règles sont trop compliquées. On peut pas travailler. C'est pour ça que j'ai fait les certificats moi-même. De quel certificat tu parles? Les certificats halal. C'est un organisme indépendant qui doit les signer. Mais ils les font payer 19 centimes le kilo. Vous trouvez ça halal, vous? Moi, comme j'ai dit non, ils m'ont dénoncé. Mais je vous jure que ma viande est halal. Mon sacrificateur, c'est un vrai musulman. D'accord, mais de quoi on parle, là? Est-ce que... T'es en train de te tirer pour une histoire de faux certificat halal, c'est ça? Oui, vous êtes pas venu pour ça? Cédric Devin, que tu connais? Oui. Cédric Devin, tu... Oui, travaille à la compta. Enfin, plus maintenant. Pourquoi plus maintenant? À cause de l'accident. Quel accident? L'accident de scooter et une fracture du tibia, il est à l'hôpital, là. Il est à l'hôpital? Oui. Le tronc, c'est pas celui de Devin? Vous êtes renvoyé devant les assises pour avoir commandité le meurtre de votre père. Vous et votre complice affirmez depuis 2 ans qu'il s'agit d'un accident, un cambriolage qui aurait mal tourné. Vous maintenez cette version? Bon. Eh bien alors expliquez-moi pourquoi avoir voulu cambrioler l'appartement de votre père. C'est marqué dans le dossier. Je vous déconseille ce genre de réponse aux assises. Je résume. Octobre 2014, vous faites virer du lycée parce que vous n'allez plus en cours depuis des semaines. Ça rend votre père fou de rage. Pour vous punir, il décide de vous supprimer argent de poche, sortie et vacances au ski. Vous ne le supportez pas, vous décidez de vous venger, c'est ça? Vous mettez votre ami Rudy Lamanac sur le coup en lui promettant 3000 euros pour le cambriolage de l'appartement de votre père. L'idée étant de lui voler ses montres de luxe et de les revendre. Rudy passe par la fenêtre de la salle de bain, il y a encore l'échafaudage du ravalement. Il va dans la chambre, prend les montres, seulement en partant, il se retrouve nez à nez avec votre père. C'était pas prévu, il devait dîner dehors. Votre père frappe Rudy avec un tisonnier. Rudy se défend et tue votre père. Toujours d'accord? Quand Rudy vous a appelé, pour vous dire ce qui s'était passé. Pourquoi vous n'avez pas appelé les secours? Ils n'auraient rien pu faire, Rudy m'a dit qu'il était mort. Rudy aurait très bien pu se tromper. Je ne me suis pas posé la question, je l'ai cru. Qu'est-ce qui vous est arrivé à l'œil? Vous vous êtes fait tabasser? Je suis tombé dans la douche. Les montres que Rudy a volées dans l'appartement de votre père, vous en avez fait quoi? Je les ai jetées à la poubelle. Des montres de luxe à 10 000 euros? J'ai eu peur qu'on remonte jusqu'à nous, j'ai pas réfléchi. Et le marteau? Quoi, le marteau? La police a perquisitionné l'appartement de votre mère et a retrouvé un ticket de caisse correspondant à l'achat d'un marteau 3 jours avant les faits. Vous dites que c'est votre père qui vous a demandé de l'acheter, seulement voilà, les policiers ne l'ont pas retrouvé chez lui, alors il est où ce marteau? J'en sais rien. C'est pas une réponse. Mon père a pas été tué avec un marteau, alors qu'est-ce que ça peut faire? Pour gagner, il faut savoir parer les coups. Alors les montres que vous avez balancées à la poubelle et le marteau qui a disparu, ça s'appelle des uppercuts en pleine poire. Et si on n'a pas d'explication crédible, on va direct au tapis. Je voulais juste le faire chier, lui donner une bonne leçon, mais c'est tout. C'était mon père. On s'entendait pas super, mais c'était mon père. Bonjour. La chambre de Cédric Devin, s'il vous plaît. Il a été admis vendredi dernier. Oui, il vient de signer son banc de sortie. Quand? Il y a quelques instants. C'est lui dehors avec les béquilles. Ah, ouais.
Cédric Devinck ? Oui. Bonjour. Commandant Berthaud, deuxième DPJ. À compter d'aujourd'hui, 18h20, vous êtes placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure pour homicide. Quoi ? C'est un avocat ? Non, mais... Vous avez l'air ? Vous m'accusez de quoi, là ? Oh, doucement ! Vous m'accusez de quoi ? On va vous expliquer. C'est quoi cette histoire d'homicide ? Quel homicide ? Allez, on va changer de service, tu vois. Mais vous m'emmenez où, là ? Tu vas voir. J'ai fait quoi ? Attention à la jambe, attention à la jambe. C'est tendu. Vous connaissez ces lunettes ? Ah oui, c'est mes lunettes de piscine. Vous les avez trouvées où ? Le sac de sport, il est à toi ? Le sac, non. Alors comment vous expliquez que vos lunettes se trouvent dans un sac qui vous appartient pas ? Je sais pas. Je les avais oubliées à la piscine. Quand ? La semaine dernière, juste avant mon accident. Quelle piscine ? Nakache, dans le 20e. Je vais tous les matins, je fais mes 50 longueurs avant d'aller au boulot. Et d'après vous, qui a récupéré vos lunettes ? Faut voir avec les employés. Peut-être le type qui s'entraîne en même temps que moi. Comment il s'appelle ? Je sais pas, mais on se parle juste comme ça. S'il va à la piscine tous les jours, il doit avoir un abonnement. Tintin, tu les appelles ? Ok. Il ressemble à quoi, physiquement ? La vingtaine, sportif, les cheveux châtains, assez grand. Non mais il ressemble à quoi ? Il est plutôt normal, plutôt voyou, il ressemble à quoi ? Je sais pas, moi, il vous ressemble un peu, mais en plus jeune, enfin... En maillot, c'est difficile à dire. Il vous a dit ce qu'il faisait comme boulot ? Je vous ai dit, on se connaît à peine. Bon, c'est répondeur, hein. Le mardi, la piscine ferme à 18h. C'est mort pour aujourd'hui. Ok, on ira demain, à l'ouverture. Tu vas où ? Tata, check. Tu vas où ? À l'hôpital. Tu veux que je t'accompagne ? Non, vous occupez de lui. Tant qu'on n'a pas identifié le type avec qui il nageait, il bouge pas d'ici. T'es sûr, ça va ? Avec qui ? Avec une copine. C'est rien, tu veux une bière ? Ouais. Tu t'engueules avec qui ? Avec Djibril. Il est sorti de tôle ? Non, mais ça l'empêche pas d'avoir un téléphone. Quand je pense qu'il me doit 10 000 euros pour tous les extras que j'ai fait dans son bar. Je veux pas que tu touches le pognon de Jim. Mais c'est pas son pognon, c'est le mien. Il le doit. Mais je sais pas, tu vas pas te taper la caution de l'appart et les frais d'agence tout seul. Je m'en fous du pognon de ton ex, d'accord ? Je sais pas d'où ça vient, donc tu touches pas, point barre. Et bah, de toute façon, il veut pas me donner. Ah, tu vois, c'est un garçon sensé, finalement. Jim. Je laisse profiter. La peau à peau, c'est le meilleur médicament. Regarde comme elle est calme. On dirait un petit chat. Tu peux nous prendre en photo, c'est pour les filles. Prépare un album. Fais pas trop rêver.
Elle est loin d'être tirée d'affaire. Pourquoi tu dis ça? Si tu veux qu'elle vive, la seule chose à faire, c'est de l'aimer, justement. Hey. Tu sais, tes grandes sœurs n'arrêtent pas de parler de toi. Elles ont hâte que tu sois à la maison. Elles sont complètement gaga. J'ai vu Thomas Weber. Je crois pas à son histoire. Pardon? Il ment. Bah, qu'est-ce qui te fait dire ça? En 2 ans d'instruction, il n'a pas changé une seule fois de version. Mon client, pareil. Un avocat sait quand son client est coupable. Pour moi, ils l'ont fait. Ils ont tué Roland Weber. Et écoute, ça m'a aussi traversé l'esprit quand j'ai pris ce dossier, mais quand on creuse, ça tient pas. Ces deux mômes sont des petits cons. Ils ont tapé un délire qui a mal tourné, ils se sont fait gauler, point. Tu trouves pas ça bizarre qu'on ait jamais retrouvé le marteau? Oui, peut-être, mais dans tous les dossiers, il y a des trucs qui s'expliquent pas. Pourquoi s'attarder sur ce marteau? Le légiste a désigné un tisonnier comme l'arme ayant tué Roland Weber, pas un marteau. Bon, écoute, on s'en tient à ma ligne de défense, c'est pas le moment de tout foutre en l'air. Ta ligne de défense, si on la suit, on va dans le mur, faut la revoir intégralement. Si près des assises, tu plaisantes? Je viens te chercher pour te proposer une affaire en or, et toi tu fais chier pour une histoire de marteau qu'on n'a pas retrouvé. Mais si tu le sens pas, ce procès, tu peux encore dire non. Mais si tu restes, t'es avec moi. D'accord, mais je te préviens, je demande le huis clos. Pas de presse, pas de public. Thomas Weber est un garçon fragile. Ce sera moins de pression à l'audience. Alors bon, tu vas pas pouvoir faire ton show devant une salle pleine. Ça va aller? Tu vas survivre? Je m'en rattraperai plus tard. Dans la main, monsieur. Comme la machine a fait du bruit, on peut pas vous entendre. Donc avec la poire, si vous avez besoin de nous appeler, vous appuyez dessus. D'accord. Laissez pas un petit peu votre tête, on va vous glisser le casque sur les oreilles. Est-ce que ça va, monsieur? Ne bougez pas. Vous avez des vertiges en ce moment ou des pertes de mémoire? Des pertes de mémoire, un peu, oui. Bon, il y a quelque chose qui me plaît pas dans l'image, venez voir. Vous voyez cette zone claire, là? Elle est située à l'arrière du crâne, dans le lobe occipital. Alors, soit c'est une lésion, soit c'est une tumeur. Pour le savoir, il faut faire une biopsie. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui, une biopsie. Voilà, si c'est une tumeur, il faudra intervenir au plus vite. Hein. Alors prenez rendez-vous dès maintenant, n'attendez pas, le bureau est à gauche en sortant. Je vous ai fait la prescription, je vous donne vos radios, le compte-rendu est à l'intérieur, et surtout, à gauche, en sortant. Au revoir, monsieur. Ça va aller? Ah oui. Tu peux garder ça? Merci, maman. D'accord. Merci. Laurent. Alors? Il y a Anor Zabelec qui est pas venu depuis un petit bout de temps, alors qu'à l'habitude, il vient nager tous les matins. Bon. Laurent Mercier. En tout cas, il correspond à la description du nageur fait par Devinck. Il a une adresse pas très loin d'ici. Rue Poucher. Bon, on y va? Bah oui. Thank you.
Là, là. Là, juste là. Ah, d'accord. Police! Police, ouvrez! Vous êtes sûr que vous avez pas un double des clés? J'ai jamais eu les clés. Y a personne. J'appelle notre sœur. Ouais, toi, ça va prendre du temps, cette pièce les couilles. Ouais. La porte, là, ça donne sur le toit? Oui. Vous avez les clés? Oui, j'ai les clés. Ouais. Allez, hop. Je check en haut, hein. Merci. C'est bien la terrasse qui correspond à l'appartement, là? Oui, c'est juste là. Ah, d'accord. Pas des longueurs de piscine, mais je peux quand même escalader un balcon. Voilà. Tu vois quelque chose? J'arrive, j'arrive. Ça va? C'est par là. D'abord, c'est pas beau à voir. Merci, monsieur. On va faire le nécessaire. Non, c'est bon. Merci. Merde. C'est un flic.